ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de CMU saison 2016-2017. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'avant-dernier épisode des 50e Jeux Olympiques du Séminaire de Jeunes. Mais avant, j'ai une petite chose à faire. Ah, c'est quand même mieux sans la pluie. Attendez, tous les ans on n'a pas la pluie, je vois pourquoi aujourd'hui on aurait la pluie. Allez, let's go! Salut Clémence, dis-moi, t'as participé à quoi comme épreuve pendant ces JO? Est-ce que t'as visé une médaille, dis-moi? Bah j'ai participé au poids et bah en fait ça s'est déjà passé et je suis arrivée quatrième, voilà. Et toi? Moi j'ai juste participé au poids, là après j'ai le volet. Ben pour le poids j'ai pas fait encore de médaille mais j'espère faire une médaille au volet. Et sinon voilà, l'important c'est de participer comme on dit hein. Et vive les JO! Alors qu'est-ce que vous en pensez de ces JO? Ben je pense que c'est une manière de se retrouver et qu'on peut être lié et avoir une classe, on s'allie la classe et que c'est familial, c'est convivial, ça rapproche tout le monde. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que ça donne une bonne humeur et qu'on peut tous se retrouver et que grâce à ça on peut former une harmonie et avoir des médailles d'or. Ouais. Ça suffit, j'ai la tête qui tourne. Ça suffit, j'ai la tête qui tourne. Je suis avec Marine qui vient de remporter la médaille de bronze au javelot. Alors, est-ce que tu es contente d'avoir remporté cette belle médaille? Oui, je suis très contente. Franchement, j'ai fait une belle performance. J'ai fait 15m80 et je suis arrivée 3e. Je suis avec Julien Brancé, entraîneur de volleyball de l'équipe de ASVS. Alors que pensez-vous de cette grande première de volleyball aux Jeux Olympiques de Valbourg? Alors c'est une très bonne chose parce que le volleyball est un bon sport. Même sans que les enfants aient un grand niveau de jeu, bah, ils arrivent à se débrouiller et à jouer très bien au volleyball et il y a une bonne ambiance sur ce terrain. D'accord, est-ce que pour vous c'est un sport simple, plutôt compliqué, plutôt technique? Alors tout le monde pense que c'est un sport compliqué. Parce que techniquement, quand on y joue, ça paraît compliqué, mais en vrai, avec une heure ou une heure et demie d'activité, on arrive vite à se débrouiller pour envoyer la balle chez l'adversaire et ça donne des beaux matchs et des bonnes parties. Eh bien, merci beaucoup, puis bonne continuation à vous. À vous aussi. Au revoir. C'est la fin de cette troisième journée. Je vous retrouve demain pour la marche marathon et la remise des médailles.